Ah, il y a une wag. Ce sera plus facile si je les attaque en dehors. Parce que dans la ville, bataille de cité, quel cauchemar. Surtout qu'ici, ils vont vouloir repartir dans l'autre sens, donc si je joue bien, ils vont rapidement fuir. Je vais devoir tenter de jouer, ils sont sur le flanc droit, ils ont de la forêt, donc je vais devoir tenter de jouer quand même un maximum à distance pour pouvoir les acculer avec mon, mon artillerie. Et pouvoir essayer de faire un maximum de dégâts de zone. Il y aura très certainement le seigneur qui va être soit là, soit vouloir se mettre ici pour vite rejoindre les renforts. Donc ça, de toute façon, on a Carlito. Et toi, tu as déjà un poney? Tu n'as pas encore ton poney. Bah, tu as déjà un poney? Tu n'as pas encore ton poney. De toute façon, ils sont dans la forêt, donc ça, ça va déjà être chiant. Si je mets de la cavalerie par là, ça, je peux mettre ça là et ça pour venir renforcer. J'ai gardé ces trois unités pour renforcer la ligne. On va tenter de la jouer calmement. Si, ils sont par là. On a combien de temps pour se déployer? On a 2 minutes. Où je peux vous mettre ça? Où je peux vous mettre ça? Bon, il est où l'autre? Il est où l'autre bouffe? Hop. Hop. L'artillerie sera déjà bien mieux placée là. Ah, elle sera déjà bien mieux placée ici. On va se mettre ici, on va se mettre là. Il est où l'autre? Ah, je pense qu'il doit être dans la forêt juste à côté. Hop, toi ici. Tu peux avancer. Pas trop me mettre en avant. Ah, il est là-bas! J'ai demandé où il était, mais finalement il était juste dans mon dos. On va se mettre ici. Toi, tu as déjà des buffs, tu as pas encore de buffs. Donc on peut te mettre ici. Tirer sur les gens. Ok, Karl Franz il est occupé. Toi, tu vas pouvoir repartir par là-bas et on va pouvoir commencer à bombarder dans l'autre sens. Oh putain, ils sont déjà là. Allez, go. On va balancer les sorts, on va les balancer ici. Hop, ici, s'il vous plaît. Voilà, Carlito. Oula, il y a des bornes. On va devoir tenter de se mettre ici. De façon très rapide, hein. Hop, on va balancer ça. Ici, normalement, il y avait des trolls. Il y avait des trolls, il y avait des trolls, il y avait des trolls. Ils sont là, les trolls. Très grave, tenter de venir les aider. J'ai perdu ça. Toi, tu vas pouvoir venir attaquer de dos. On va aller tenter de les faire fuir. Voilà, on va faire fuir ce flanc. C'est une bonne chose ici. Il y a plein d'archers, il y a plein d'archers, il y a plein d'archers. On va reculer, on va reculer, on va reculer. Allez Carlito, toi ici tu peux partir par là, ils ont des tireurs qu'on va pouvoir acculer. Voilà, les manticores continuent à faire leur travail. Y'a qui est en train de me démonter mes tireurs? Enwag! Ici eux ils continuent à tirer, ils ont un peu du mal, y'a eux devant, on va les reculer. Les canons, les canons, les canons, les canons, on va tirer sur les différentes unités. Hop, ah putain, c'est encore par là, on va bombarder le pilu. C'est plein de tireurs, c'est compliqué, il y a Carfrance qui est toujours occupé d'essayer de tuer celui-là. Quel enfer, quel cauchemar. Le puissant empereur qui est en train de struggle contre une unité à la con. Ok, on a
plutôt passer par là si vous, vous êtes par ici. 10 secondes. Ok, 24-40. Ok, pour les dégâts ça va, c'est fine. Hop. Là. On va tenter d'aller chasser les différentes unités qui sont encore en train un petit peu tenter de fuir. Encore une nouvelle wag. Karl Franz, bon tu vas abandonner ce mec là? Il est toujours pas mort? Mais quel enfer! Abandonner, il faut abandonner hein. Hop, on va faire ça là. Ici, tac. Toi t'es là, toi t'es là. Voilà. On va lancer un sort, faire du dégât de zone. C'est diminuer le nombre de modèles qu'ils ont. Si, si, ils ont perdu beaucoup de PV, mais pas beaucoup de modèles. C'est pénible. Les PV ont perdu les PV, lol. Non, ok, la bataille était bonne. Crossbows ready, General. Allez, sur les archers orques. On peut quand même encore taper ça, je peux. Alors, arrête de tirer, vous. On va faire du tir à mi, sinon. Alors, en termes de pertes, this is fine. This is fine. Encore eux qu'on va pouvoir tenter d'abord. Hello, Varian! Comment toi? À mon avis, les dégâts du match sont... vont être simples à faire la bataille vu les blobs. Mais je pense, attends. 35 000 de dégâts. Après, bon, c'était pas des unités très très puissantes, donc la valeur en or est pas excessivement élevée. Mais ouais, il a bien fait mal le mage. Merde, il y en a encore un. Il y en a encore assez. Celui-là qui est toujours pas mort, il y a eu Karl Franz sur le dos pendant toute la game. Un peu déçu des dégâts de certaines unités, mais bon. Parce qu'on n'aurait pas pu forcément faire beaucoup mieux. 13 000 de dégâts, ouais, qu'est-ce qu'il a tapé? En comparaison, alors il a quasiment pas fait de kill, hein. Il a fait que du dégât de zone. Mais bordel, qu'est-ce qu'il a été utile? Le domaine de la bête est bien, mais oui, c'est un très très bon domaine. Mais c'est un domaine qui est plutôt axé sur des debuffs et des buffs. Parce qu'il a de très bons, enfin surtout des buffs, il n'y a pas de debuffs il me semble dans le domaine de la bête. J'ai peut-être une bêtise. Mais en tout cas, il y a de très très bons buffs qui permettent de bien accentuer la puissance de tes unités. Et ce sort là, le sort du corbeau, il est génial. Si tu as la possibilité de jouer Malagor, Malagor est spécialisé dans justement le sort du corbeau, il te fait des carnages. Il est complètement pété de ouf. Parce que regarde, dans le domaine de la bête, t'as ça. Donc, qui est une augmentation des dégâts et d'armure qui vont les deux zones. T'as le cœur sauvage, donc ça c'est le passif, la nuit infernale, la peau impénétrable. Impénétrable qui a augmenté de 24 la défense en mêlée et de 20% la résistance physique d'une unité. Et lorsque tu viens l'améliorer, clac, pour améliorer, c'est en zone que tu peux le faire. La lance d'ambre qui est un excellent sort anti-entité individuelle. Ah si, il y a un debuff, c'est la malédiction d'Anaheim. Celle-là, c'est vrai que je l'utilise pas énormément, mais c'est un très très bon debuff qui vient diminuer de 24 l'attaque à la défense en mêlée de zone pendant 21 secondes à un adversaire. Donc tu fais ça, into l'incarnation de Vizan qui a augmenté les dégâts. Détruit absolument tout sur ton passage.